Bonjour tout le monde, je suis Patrick, alias Laurent Le Guillou. Ceci n'est pas le 49e épisode de Cosmos 1999. Je suis la personne qui a publié les deux saisons il y a une dizaine d'années de cela. Et j'en profite en fait pour remercier toutes les centaines de milliers de personnes qui ont apprécié de regarder à nouveau ces épisodes cultes des années 70-80. Je ne suis pas en train de publier donc ce 49e épisode, même si je suis à la dérive. Je m'adresse ici à tous les Bretons expatriés dans le monde entier pour vous remémorer ce qu'est la Bretagne, les Côtes d'Armor et plus particulièrement la région de Bréa. Je suis parti pour 4 ou 5 heures de rame et je vais essayer de vous faire profiter de tous les paysages magnifiques qui m'entourent ici. A tout à l'heure donc. Et je vous présente, ou je vous représente, pour ceux qui connaissent, le port de plaisance de Les Ardrieux. Ah, je m'en lasse pas. Je vous cache pas qu'il y a un peu de jus par endroit. Faut s'accrocher au bastingage, mais c'est sympa. Il a du mal à remonter. Allez, 360 au périscope. J'ai zoomé là où j'ai. Voilà. Super. Voilà, on est à la sortie du port de Les Ardrieux. Bon, ça voile ici. Le port est 4 km derrière moi. Et je vais essayer de vous montrer si le courant veut bien me laisser. Voilà. Alors, on aperçoit ici l'île aux bois. Et un peu plus loin là-bas, le rocher aux oiseaux. Et derrière, c'est tout l'archipel de l'île de Bréa qu'on peut apercevoir. Sympa la petite maison, hein? Oh, ça donne envie. Voilà, je me trouve à la sortie du Trieux. Je suis environ à 5 km du pont de Les Ardrieux. Et voilà la vue que j'ai. La petite plage ici, c'est celle du port de Logivy-de-la-Mer. Au fond, les archipels de Bréa, la balise de la Croix, des voileux qui s'amusent. L'objectif est en face, l'île Maudet. C'est là-bas que je vais pour pique-niquer. Alors Nanou Dauphin, tu te régales avec ce genre d'image là? Hein? Pourquoi t'es pas avec moi là en train de ramer là? Hein, tu vois, il y a de la place sur le paddle là. Tu vois? Quand même. À sa gueule là.
Oups. Ah, seul au monde. Le nord de Bréhat. Oh, c'est splendide.